Sous l'océan, il y a des boîtes de jeux, des little big fish, comme vous voudrez. Vous aurez peut-être reconnu, enfin peut-être, hein, vraiment, s'ils font un gros effort. Oui, si, c'est bon. Little big fish, mesdames et messieurs, c'est un jeu d'Igor Polushin et David Pérez, ça tombe bien. Igor est là, salut Igor. Ça, bonjour. Avec David, je cherchais de l'autre côté. Non, je suis sous l'océan. Ah oui, c'est ça. Guillaume, ça va? Salut David. Salut Guillaume. The Flying Games. C'est toi, maison d'édition. Oui, hein, on en parle dans le petit papotage sur TrickTrack. Si vous souhaitez connaître un petit peu cette histoire, n'hésitez pas, un petit clic. Il y a un autre petit clic de possible, c'est celui sur l'explication. Igor et David, de façon complètement narrative, nous ont expliqué Little Très Big background. Fish. Background, c'est ça. Background. On est dans l'ambiance. Ouais, c'est ça. Enfin, bleu, bleu, bleu. Ouais, Little Big Fish, ça arrive en octobre 2017. Ça coûte 20 euros. Ça se joue à deux joueurs et uniquement deux joueurs. Oui. C'est illustré par Damien Colboc. À partir de 8 ans, vous allez voir que les règles sont relativement simples et la partie dure 15 minutes et ça, on va le vérifier tout de suite. C'est ça. Je vais mettre la boîte dans le devers de TrickTrack juste ici. Moi, j'ai placé mes trois poissons. David est mon soutien requin. C'est ça. Tu as tes trois poissons. Tout à fait. On a fait une mise en place, comment on dit, standard, celle-là. Là, ouais. On a mis la bonne configuration pour démarrer. Ouais. Et puis, ben, qui commence? Eh bien, c'est celui qui a mangé du poisson la dernière fois. C'est quand tu as mangé du poisson? Alors, c'est plutôt quand est-ce que j'ai pas mangé de viande? Non, non. Il y a 8 ans. Avant-hier. Avant-hier? Oui. Tu commences. Alors, tu vois. David, tout de suite naissance ou pas? Alors, c'est bien. Naissance ou plancton, mais le plancton, il ne faut pas trop le griller trop vite non plus. C'est pour ça. Donc, en fait, tu peux. L'avantage d'avoir deux mouvements, c'est que tu peux faire. Parce que, ah, mais oui, mais oui, regarde, mais oui, bien sûr, regarde. Si je fais ça, je glisse, glisse, naissance. Direct. Absolument. Ok. Sur le carré. Oui. Oui. Ok. Une case vide. Oui, c'est ça. Dites-moi si je fais le choix. Pas du tout, c'est pas du tout. Donc ça, c'est bon. Premier mouvement. Premier mouvement. Il te reste un deuxième. Deuxième mouvement. Eh bien, écoute, je vais prendre celui-là et miam. Parfait. D'accord. Donc, le plancton rouge, ben, je suis obligé de le retourner. Hein, c'est fini, je l'ai mangé. Et lui devient un moyen poisson. T'as peur, hein? Ouais. Pas encore. Non, je te sens zen. Ouais. Allez. Alors, on a le droit de faire deux mouvements de 1 ou un mouvement de 2. Tu t'apprêtais à faire un mouvement de 2. Un mouvement de 1. Je savais. Tu n'allais pas y aller tout de suite. Donc, toc. Plancton. Toc. Moyen poisson. Tu peux plus te bouffer, sauf avec lui. Un mouvement de 1. Mais il y a un point d'interrogation qui vous sépare. C'est ça. Absolument. Ce qui peut être très drôle. C'est ça. Un pêcheur. Je vais aller. Et là, je mourrai tout seul. Je vais y aller. Je vais y aller. Et donc ensuite, nous allons faire. D'ailleurs, est-ce que je peux prendre la pile? Il faudrait peut-être la. Tu veux les mélanger? Mélange. Effectivement. Parce que je vais. Je m'en occupe. Ça, c'est mon boulot, ça. Discretos, vous savez, ça triche. Je vais y aller. Ok. Ah, que ben, je suis un dingue. I am a dingue, attention. Hop là. Eh ben non, c'est un tourbillon. Tourbillon. Donc ça veut dire qu'un plateau va bouger. Voilà. En fait, comme là-bas. Un bazar dans nos poissons. Comme ça, tu vas rester bien loin de moi. Ouais. Ça me va très bien. Ok. À toi bon, de jouer. Alors. Il y a donc un tourbillon sur les deux qui vient d'être révélé. Absolument, oui. Okay. Il y a quatre effets qui sont reproduits deux fois sur une pile de 8. Quand toute la pile a été utilisée, on refresh et on remet. Hein. Voilà. Ça marche. Je tente le. C'est tentant, hein. J'ai envie de tenter le. Allez. Je suis un peu dingue, mais si c'était un pêcheur ou un plancton, ça serait drôle. Ça serait super. Donc ça fait 1. Absolument. Est-ce que je mélange bien? Ah bah parfait. T'avais vu qu'il allait tirer le premier, donc j'avais avoir deux. Donc le pêcheur, ça, un rose travaillé. Et un orange disparaissent sur le plateau. Il n'y en a que deux. Ça ne me plaît pas beaucoup. Donc ils reviennent dans la réserve. Ouais. Ok, donc ça, c'est mon premier coup. C'était bien. Et alors, du coup, si je t'en bouffais un, là, il t'en resterait plus qu'un. T'aurais perdu mort subite. Ça serait bien. Hein. Mais ouais, c'est un peu rapide, là. C'est un peu chaud. Je ne compte pas. Pas tout de suite. Non. Pas très très bien. Tiens, écoute, je vais faire ça. Et puis du coup. Sur le quart. Quart de plateau. Ah oui, c'est vrai, c'est ça limite le choix en fait. Oui, quand même. Allez hop, voilà. À toi. Dis donc. J'ai bien aimé le pêcheur. Arrêtez les bêtises là. Pile poil. 4-2. 4-2 pour le moment. Il n'y a
a pas de système de décompte, hein, vraiment. C'est celui qui bouffe 5 poissons, il a gagné, ou s'il en reste plus qu'un, il a perdu. Donc, dans les deux cas. J'ai pas trop choix, là. Il faut que tu y ailles, hein, naissance. Hein. Parce que sinon, après, c'est chaud. Hein. Oui. Tu sens monter la pression. Ouais. C'est encore un peu vague, mais t'inquiète. Oulalalalala. Non, mais je crois que j'ai pas le choix, hein. Faut que je fasse ça. Un, deux. Ah oui, en 1-2, tu me pètes la gueule. C'est ça. À l'arrière, il faut mieux peut-être se barrer avec lui alors. Faire ça, il y a un truc que je voulais faire. Ne t'inquiète pas, ce n'est que l'auteur du jeu. C'est tout à fait. Ils sont pas beaux ces petits poissons, regardez. Hop, un, naissance. Deux. Ils se sauvent. Et. Bah oui. Hop. 1-2. Donc il y a une application sonore, voilà. Pour avoir des sons d'aquarium. Non, je déconne. À toi de jouer. Alors, Que je t'aide ou je t'aide pas? Parce que là, il y a un truc fumant. Quelque chose de sympathique à faire. Non, mais il est déjà dans la mouise. Si jamais je suis dans la mouise, tu t'en reviens. J'ai un petit peu moins de chance et ça serait bien de le gagner directement. Donc, je vais faire ça. Plouf. Vas-y. T'as pas mis le deuxième pêcheur? Ça serait bien quand même. Non. C'est risqué avec le moyen. Ouais, mais il n'y avait plus qu'une chance sur 7. Qu'est-ce que c'est? Pivotage. Ah, incroyable. Pivotage. Et c'est celle-là? Ah non, c'est celle que tu veux. Oh là là, ça sent l'oignon, ça. Sent l'oignon, ça. C'est magnifique. Ça sent le carnage. Est-ce que c'est mieux celui-là ou l'autre? Je ne peux pas te dire. Celui-là. Oh pardon, petit poisson. De toute façon, tu vas te faire bouffer. Hein, donc, il était là. Hein, oui. On est d'accord. Donc, deuxième mouvement. Ouais. Crunch. Tu me bouffes, je te gagne un poisson. Mais tu fais l'effet de nouveau. Et tu fais l'effet de. Et là, c'est du plancton. Non. Zut, la poisse. C'est très bien. Zut. C'est très très bien. Bon, un poisson à zéro quand même. C'est ça. Donc. Ah zut. 1, 2, toc, toc. Ouh, t'es gros. Ah ben, va moins rigoler maintenant. Je peux te dire que. Ouh, t'es gros. À toi. Eh, tu sais quoi? Je vais le tenter quand même. Je suis fou, moi. Toc. Mmh. Il est là, ce plancton de merde! Ah zut! Une naissance pour moi, c'est bien? Non, c'est pour moi. Ouais, mais c'est qui va te bouffer? Oh, pardon. Donc, sur la case oui, là. Oui, hein. C'est ça. Oh zut. Vite, barre-toi, Guillaume. Vite! Parce que là, tu peux faire un carnage, là. Oui. Dès que tu commences à rentrer dans les lignes adverses. Bah oui, c'est ça, c'est. Voilà. Bon, l'avantage que tu as, c'est que là, tu es protégé par les épaves. Mais par contre, eux, non. Et donc, lui, il ne peut pas passer, lui, hein? Non. Oui, donc là, il va mais le point d'interrogation te protège un petit peu. Oui, parce qu'il peut lui arriver des trucs. Sauf qu'il y a deux pêcheurs qui sont passés. Non, mais je m'en fiche, tiens, regarde. Les deux pêcheurs sont passés. Je vais tenter. J'ai vraiment. Bah, tu prends plus grand risque, là. Parce que... Oh, mais c'est pas vrai! Juste. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que maintenant, il reste deux planctons. Ça, c'est. Ah, oui. Ouais, mais t'es un peu loin. Ouais, tu me diras si tu peux en profiter, mais t'es un petit peu loin. Ah, ben, ça va bien se passer. Un, deux, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il peut faire? Non, j'ai pas envie de te le donner. Donc. J'aurais peut-être dû t'aider en fait. Ah zut! C'est bon ou pas? Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. À moi? Oui. À moi? Regarde, vas-y, il est prêt. Regarde comme il est prêt. Un, deux. Bah oui. Tu manges. Ça je te le mange. Je pioche le plancton parce que c'est ce qui reste. Et là, tu passes et à gros. En gros. Oh, punaise, ça va. Et là, ça met la pression. Ça, c'est moche. Là, ça met la pression. Oh, c'est moche. Oh là. Là, il y a 1-1, sauf que toi, t'as un gros. Non, j'en ai un gros. Toi, t'en as un gros. Ouais. Bon, tu sais que le prochain point d'interrogation, c'est un plancton. C'est pour ça. Écoute, je vais faire 1, 2. Donc, c'est un plancton, hein, on le sait. Oui. Ouf. Donc, ça en devient un moyen. David, le grand mélangeur devant l'éternel. Yes, je refais ça bien. Et puis, du coup, c'est à toi. Et écoute, c'est bien. Alors, il a l'air mal, mais il est bien, Igor, bizarrement. C'est vrai? Ils sont que deux, donc il est fragile, ouais. Mais il a un gros. J'ai un gros qui ne craint pas grand-chose. Puis là, j'ai mis un pêcheur, Igor. Vas-y, par contre, fais-toi plaisir. Oui, tu as toi ton jaune. Là, si tu viens là, tu auras un gros aussi. Ouais. J'ai intérêt à me barrer. Ouais. Mais que faut que je vise, faut vite que je fasse un… Faut que tu vises bien. Une naissance. Et que tu fasses une naissance. Ouais. Tu vas aller un peu là-haut hein, maintenant. Hein. Sinon, tente le point d'interrogation. On a vu que ça marche. Non, mais justement, pour terminer une partie, c'est génial. C'est parfait. 1, 2, 1, 2. Non, je vais faire ça. 1,
de naissance. Et n'importe quoi. Alors, il y a un poisson à un bon sang de boîte, bon sang de bonsoir. La malchance ne peut pas venir tout le temps. Tu sens que j'ai déjà fait une bêtise ? Tu le sens, David ? Tu cherches un peu les points d'interrogation, là où tu pourrais aller un peu l'embêter lui. Non, mais t'as pas autre chose à faire en fait. Là, faut... Il me faut un gros. Hein. Parce qu'en mettant, voilà, en mettant un gros, tu rééquilibres les forces. Bon, ça faisait un. Ouais. Donc maintenant, je peux faire le fou. Exact. Oui. En plus, t'as de la. Deux. T'as du poisson. Eh ben, c'est le pêcheur. Enfin. Heureusement que j'ai fait un bébé, là, par contre, toi. Ouais, parce que sinon, t'étais mal, tu perdais derrière. Merci, donc pêcheur. Donc là, c'était Igor pouvait choisir quel poisson. Ah oui, c'est vrai, pardon. Excuse-moi. Juste une question je t'ai envoyé le. Je n'ai pas trop apprécié d'ailleurs, il faut que tu le saches. C'est celui-là qui va partir. Bah oui, t'as raison, j'aurais pas dû. Oui, oui, non, mais c'est. Pardon. Il y en a qui sont pour moi que ça. Hein. Donc je préfère être. Franc avec toi. Franc avec toi, direct, clair. Bon, ça peut la mouiller. Vous êtes encore que deux. Eh, on n'est plus que deux là. Alors lui, il craint rien. Il n'y a pas de marmite, pas de soupe de poisson sous le séum. Tout doux sucré, tout bon. T'es éloigné partout. C'est juste pour la taquiner, moi ça me plaît beaucoup. Il est très mal. Je vais la refaire parce que voilà, je refais ça. Je refais ça. Ok, ça fait un. Un. Il est bon le plancton vert. Miam. Oh, j'aime bien. Voilà. Il y a un truc sympathique à faire. Sans t'aider, il y a un truc sympathique à faire. On n'a pas encore vu cette façon-là, mais ça peut être rigolo pour toi. Alors attends, réfléchissement Jean-Pierre. Donc c'est un jeu tactique hein, quand même. Ah ben bah, clairement. On l'a pas dit. Il y a un peu de chance, un peu de fun, mais qui est mesuré parce que tu choisis d'aller ou pas. Oui, oui, tout à fait. Et tout le reste, c'est on est dans de la. Du placement, de la tactique, de l'optimisation. Ouais. Toi, tu as vu un truc rigolo à faire. Alors, ça peut faire une naissance, mais je vois pas ce qui est rigolo. Tu veux dire tenter le pêcheur ? Non, du tout. Ah, raté. Tactique. Tactique. On a dit tactique. Pas aléatoire. Léger. Mais je veux dire, à base de naissance, c'était bien. Tu avais une bonne inspiration au départ. Tu sais, tu faisais mais pouf, pas avec le même. Ouais, mais pas avec le bon poisson. Il y a effectivement une histoire de naissance. Là ? Exactement. Là. Ah, bien vu, David, bien vu. Donc, ça fait une naissance. Oui, bien vu, David. Et tu as un deuxième mouvement à faire. Et après, j'en bouffe un. Ouais. Oui, c'est bien ça. Qui fait encore une naissance d'ailleurs. Non. Je vais pulluler. Oui, éventuellement. Oui, exactement. Si, parce que je fais zup. Voilà, tu le manges, ça fait deux. Je te croque. Et tu nais. Je nais quelque part. Tu ne pourras plus avoir de naissance, c'est dans la ligne des stocks disponibles. Tout à fait, mais ça va venir. Voilà. T'as retourné là, ce que t'as croqué tout ça ? Oui, ça c'était au taquet là. Oui, ça t'embête peut-être. Laisse le poulain tranquille. Alors, sous l'eau, on dit une hippocampe. Oui, pardon. Laisse mon hippocampe tranquille, s'il te plaît. Mon hippopotame. Oh, bah d'accord ! Non. Alors, ok. Donc, tu me bouffes. Un. Je te bouffe. Ah, ok, de deux. Naissance. Pas de problème. Tu en fais la même. Voilà. Ah, ça c'était naze ça. Voilà. Ça fait 3-2. Ah, 3-2. Il vient de prendre l'avantage. Eh oui. Bigre. À toi. Ah, on le laisse s'échapper comme ça, puis tout de suite il en profite, tu vois. Ah, moi j'ai envie de l'enlever. Hein. Si c'est un pêcheur, ça serait tellement bien. Dis donc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Ouais, mais ça serait gagné sur la chance. Mais est-ce que tu as besoin du pêcheur ? Pour faire la même chose. Je te pose juste une question. Mais c'est-à-dire qu'il est loin. Ah bon ? Bah oui, pour mon gros. Non mais pour ton petit. Mais mon petit, il peut pas le manger. Pas ce petit-là. Tu vois trop près de toi. L'océan est vaste. L'océan est vaste. Faut voir loin dans la vie. Mais ouais, t'es trop dans la piscine, toi. Oui, derrière, tu peux. Ah oui, celui-là. Oui, mais là, lui, s'il trouve un pêcheur, il tire tout seul. Regarde, l'océan est vaste. À la rigueur, je peux lui en bouffer un. Oui, il peut le remanger derrière. Chacun. Ça fait 4. Il peut jouer agressivement ou défensivement. C'est vraiment. Qu'est-ce qu'il faut. Ah, mais oui, tu as raison. Le pêcheur est une bonne option. Très bonne option même. Parce qu'il a un gros. C'est pour ça. Et alors là, ça serait. Ça le carnage derrière. Ouais. Vu qu'on n'a rien statistiquement. Ouais, oui, mais comme c'est un gros et que lui, il perd Canty, moi, je tenterai le coup. Ah, mais ça, tu vois, voilà, ça, tu me plais. Donc, petit poisson,
Va faire gros. Parce que ouais, t'as beaucoup à gagner. Bah, j'aurais pas tenté là, franchement. Quelle mauvaise foi. Non, il n'y a aucune raison qu'il y ait un pêcheur là. Allez. Allez. Aucune raison. Impossible. Sacrée surprise. Impossible. Impossible. Ah. Alors, c'est un tourbillon. Alors, comment est-ce que ce tourbillon c'est ton premier mouvement là, à mon avantage? Zut, comment est-ce que ce tourbillon pourrait être à mon avantage? Ah, c'est pas cool. Hein. Ben non, ça sera... Ah si, c'est mon premier mouvement. Oui. Donc, ça peut être un tourbillon ici. Ah oui, mais il va me le rebouffer derrière. Mieux, ah oui, mais ça va lui coûter y a un mieux, deux. Y a mieux. Ah oui, 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 très bien. Voilà, bonne inspiration. Ok, donc ça veut dire que mon deuxième mouvement, ça va être bouffe, manger. Sauf que bon, lui, bon, ah bah, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, ouais, ah, allez, crac. Ça fait une naissance, mais j'en ai plus, donc pas de naissance. On est d'accord, hein? Exact, absolument. Okay. J'ai mangé trois petits poissons roses, petites fricassées. Alors, est-ce que tu vas aller faire le coup facile de manger bêtement et en prenant le risque de crever pêché? Ça serait drôle. Non, parce que si je fais ça, du coup, tu vas me rebouffer là, et comme il est plus protégé, en fait, non, là, j'ai plus intérêt à te bouffer le petit, en fait. Ben, essaye. Ben, c'est pas très compliqué en même temps. Ben, si. Non, un, deux. Ah oui, comme ça. Oh, c'est oui, tellement petit. Ah, bah, écoute, alors que tu étais tellement à l'abri, je pouvais pas venir te chercher là entre les deux épaves. Non, mais avec celui-là, si. Ah oui, avec celui-là, oui, ah, d'accord. Et, oui. Et comme il était plus protégé, t'as raison. Du coup, toi, je pouvais pas le risquer. Je suis à 4. D'accord. Ah oui, ça se complique. Hein. Non, 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 parce que... Ah si, 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 ça se complique. Ah si, si, si. Je suis à 4, sachant que t'as 2, tu vois. Je peux faire une annonce? T'as 2, vas-y. Tu as gagné. Sérieux? Bravo, Guillaume. Je pense que là, tu lui crois. Ah putain, c'est vrai. Oh, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Attendez, alors, c'est vrai, t'as raison. Bah oui, mais non, il n'y a pas. Ah si, t'as raison. Ah, putain. Je peux te manger les deux? Mais non. Non, mais. Quelle est la règle? C'est quoi là, la règle? Ah, il suffit que je lui en crève qu'un. Putain. Oui. Oui, mais alors, attends. Ah bah oui. Oh là là, ah bah là 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 là. Et tu peux manger de deux façons en plus. Tu peux te faire plaisir. Alors, je peux faire un. Puis deux. Absolument. Voilà. Ah oui, t'aurais pu aussi avoir une naissance, mais t'as pas de quoi. J'ai ça aurait été drôle de faire une naissance, naissance. De te placer là. Ouais, c'est ça. Ah oui, ça aurait été drôle. Non, oh mais là j'ai là pas de là quoi. Là. Par contre, ça c'est beau. Oh là 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 là. Je ne l'avais pas vu. Il y a plus que deux poissons. Un, deux. Oh là là là. Il est bête avec son gros là. Igor, il t'en reste qu'un. Mais alors, dis donc, qu'est-ce c'est pas une condition de mort subite. Mais t'as perdu. Alors non, par contre, non. Quand il ne reste qu'un gros, par contre. On continue. Il manque des pages, il manque des pages au livret. C'est marrant, je l'ai pas vu. La tête d'Igor. Tu l'avais pas vu venir celui-là. Mais... Moi non plus. Mais c'est parce que David extérieur, moi je l'avais vu. C'est comme ça depuis le début de la création. Ouais, c'est ça. C'est ouais. Vrai ouais. Ça fait hyper. Ça fait mou. Ça fait peur. Hein. Et j'en aurais. J'en aurais presque envie de faire la belle. Sauf que là, du coup, ça va faire une vidéo qui va être longue et vous allez croire que c'est un jeu beaucoup plus complexe. Non, mais non. J'ai fait une erreur tactique. Oui. C'est que le coup d'avant. En voulant manger le poisson trop vite, en me disant mince, le problème c'est que si tu me le bouffes après, j'aurais quand même dû venir ici pour me faire une naissance, machin, même si tu mangeais après, j'aurais sécurisé. Et surtout que tu avais de toute façon cette exactement, avance du 4-3, hein, donc, la pas du gain. La pas du gain. Comme quoi. Et voilà. Mes poissons ont eu chaud. Rebondissement. Ah ben, rebondissement. Tout à fait. En bonne partie. Hop, hop. Et d'ailleurs, on va faire la belle, mais on ne la fera pas à l'écran, puisque de toute façon, moi, j'ai envie de la faire. C'est juste que pour que vous soyez sûr de cette durée de partie, ça fait bien 15 minutes, hein, il n'y a pas à sortir. On n'est pas loin. Ah, allez, 15, bien, hein. 20, parce qu'on a joué à 3 au lieu de jouer à 2. Little Big Fish, le jeu d'Igor Polushin et David Perez, se trouve dès à présent, en fonction du moment où vous regardez l'émission, sous quinzaine, si vous la regardez en tant qu'abonné. Dans vos boutiques, c'est illustré par Damien Kolbok, The Flying Games. Little Big Fish, c'est un petit jeu finalement abstrait, entre guillemets, mais qui colle bien avec la thématique des poissons qui glissent sous l'eau et qui se croquent les uns les autres. Et qui grossissent. Une vingtaine d'euros, c'est distribué par BlackRock, qu'on ne dise pas de bêtises, si jamais les boutiques qui nous regardent veulent se fournir. Ça chalandait. C'est exactement. Il est beau mon poisson, il est beau mesdames et messieurs, mesdames, il est frais, il sent bon la marée. Et on se retrouve avec d'autres émissions, y compris le papotage avec The Flying Games. Y compris.